Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais, lui. Merci de me recevoir chez toi. Moussa Adamo, souvent je n'ai pas l'habitude de m'intéresser à tous les roublards de ton acabit. Mais je me suis souvenu de toi aujourd'hui parce que la gendarmerie a posé un acte ignoble qui mérite que j'ai mis à pesantisme pendant un moment. Voilà, j'y arrive. Donc, j'ai appris que la gendarmerie, qui est sous tes ordres, a bloqué le cortège funéraire de maître Fabien Méré. Et je me suis souvenu que c'est toi qui es ministre de la Défense parce que j'avais déjà un dossier sur toi. Le dossier d'un terrain de 100 millions de francs CFA que tu as acheté à Vorbam. Je vais te demander des comptes parce que je suis un contribuable gabonais. Et je dois savoir de ce que tu fais avec l'argent du contribuable. Donc, on va parler de ça. Et je voulais aussi te dire une chose. Michael Adamo, à force de vouloir imbéciliser les Gabonais, toi-même tu deviendras plus qu'imbécile. À force de vouloir imbéciliser les Gabonais, tu deviendras plus imbécile que les Gabonais. Parce que on n'a jamais vu ça. Dans aucun pays sérieux, dirigé par des gens sérieux, où on se permet d'arrêter un cortège funéraire. Déjà dans nos traditions,
On ne peut pas arrêter un cortège funéraire, c'est interdit. Sauf si la voiture tombe en panne. Or là, ce n'était pas le cas. Tout simplement parce que ça s'apprêtait à se diriger vers le quartier général de Jean Ping. Michael Adamo, Michael Adamo, c'est selon, je sais pas, on t'appelle, je ne sais pas quelle star, ou tu es star de Makoku, je ne sais pas. En vertu de quoi vous pouvez vous permettre d'interdire une manifestation dans un domicile privé? Chez Jean Ping, c'est un domicile privé. Son quartier général, c'est un domicile privé. En vertu de quoi vous pouvez vous permettre d'interdire que le cortège funéraire arrive là-bas? Toi d'abord, tu es qui? Vois-tu, lorsque tu gravis les escaliers là, tu vois là, il y a des escaliers là, c'est long. Jusqu'au deuxième. Quand tu gravis les escaliers là, il ne faut pas te moquer des gens que toi tu dépasses. Parce qu'en redescendant, ce sont les mêmes gens que tu vas croiser. Dis-moi, il faut que tu m'expliques ça. Qu'est-ce qui te rend aussi belliqueux depuis que tu es ministre de la Défense? Il paraît que tu fais l'esbrouf maintenant. Alors qu'on sait que dans ta profession, notre profession, le journalisme, tu n'étais pas une lumière. Tu étais un tocard. Tu étais un tocard. On ne se souvient même pas de toi que tu étais journaliste. Il faut être de la corporation pour savoir que tu étais journaliste à la chaîne 2. Tu étais un tocard. Tu n'étais pas une lumière. Maintenant, tu fais l'esbrouf parce que tu es quoi? En plus, tu es un Gabonais d'occasion. Donc, c'est toi, le métèque, le Rastafouer, qui va venir maintenant interdire qu'un enfant du pays, un vrai enfant du pays, qu'on lui rende hommage. Tu es qui, Moussa Adamo? Toi, tu es qui? On va parler de l'argent de 100 millions après. Mais tu es qui pour interdire le cortège funéraire de Fabien Méré d'aller vers le domicile de Jean Ping? C'est toi qui as construit le domicile de Jean Ping. Est-ce que c'est toi qui as construit le domicile? Vraiment, tu es un idiot. Je ne savais pas que tu étais idiot jusqu'à ce niveau. Je regrette que par le passé, nos chemins se soient croisés. Parce que tu es pire qu'un idiot. Tu es qui? Toi, tu es un Naosa. Tu es qui pour venir interdire à un vrai Gabonais de recevoir des hommages de ses concitoyens? Tu es qui? Ce sont tes parents qui ont amené le terrain que Jean Ping a occupé là. Ils ont ramené ça à la tête du Cameroun pour venir installer ça là. Pour que tu interdises les hommages à Maître Méré. Parce que les gendarmes disaient, on attend les ordres du patron, du ministre. Tu es qui? Tu es même quelle qualité de ministre? Un rigolo? Parce qu'avec Ali Bongo, vous mettiez ça dedans, et puis c'est tout. Et tu veux devenir maintenant celui-là qui doit donner des ordres, même à interférer dans la vie privée des Gabonais. Tu es qui? Tes parents n'étaient que les commerçants qui étaient venus chercher de l'argent au Gabon. Maintenant, toi, en vertu de quoi tu vas interdire que le cortège funéraire de Maître Méré arrive au quartier général? C'est chez tes parents. J'aimerais que tu me dises ça. Je vais te taire à terre parce que les idiots de ton espèce, on est obligé d'être comme ça. Est-ce que c'est chez ton père ou ta mère, le quartier général de Jean Ping? Puisque vous refusez le respect, vous êtes des idiots, vous refusez le respect. Il faut faire extrême attention, Moussa Adamo. Tu es un Gabonais d'occasion. Les Gabonais ont accepté un certain nombre de choses, mais vous êtes en train de construire brique par brique un Gabon de rancœur. Je suis resté silencieux, choqué de voir que les idiots de ton espèce se permettent aujourd'hui de boycotter les funérailles des vrais enfants du pays. Vous êtes qui? Vos parents étaient misérables chez eux. Ils ne seraient pas arrivés au Gabon. S'ils n'étaient pas misérables, ils étaient venus chercher l'argent. Mais respectez les Gabonais qui vous ont accueillis. Tu es un Camerounais, respecte le Gabon qui t'a accueilli, qui t'a donné ce que tu es. Au Cameroun, tu ne serais pas. Au Cameroun, c'est plus de 25 millions d'habitants.
tu ne serais même pas sous-préfet quelque part. Parce qu'il y a beaucoup de cadres. Ce n'est pas l'imbécile de ton espèce qu'on aurait pris pour enfin ministre. Donc, apprends à respecter les Gabonais. Le Gabon appartient d'abord aux Gabonais. Il faut que ce soit clair dans vos ciboulots. Et si vous avez un magma de chiottes à la place du cerveau, il faut vite aller te faire opérer. Il faut que tu le saches. Vous n'aimez pas le respect. Vous êtes en train de réunir le conseil d'une guerre civile au Gabon. Parce qu'aucun peuple martyrisé n'est soumis éternellement. Aucun peuple martyrisé. Tous les peuples martyrisés ont fini par prendre leur revanche au moment opportun. Parce que quand on monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand on baisse, les fourmis mangent les poissons. Ne l'oublie jamais. Quand on monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand on baisse, les fourmis mangent les poissons. Toi, tu es qui pour interdire à un Gabonais de recevoir les hommages de ses compatriotes? Tu es qui? C'est pas parce que vous formez votre groupe de lecteurs verso, vous entrecurez, que vous allez avoir de l'ascendant sur les Gabonais. On vous accueille, mais il ne faut pas exagérer. Vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Toi, tu es qui, Michael Moussa? Tu es qu'un petit pauvre Aoussa qui est venu chercher de l'argent au Gabon. C'est au Gabon qui t'a tout donné. Respecte les Gabonais. Respecte les us et coutumes des Gabonais. Tu peux voir un Gabonais faire ça à l'étranger? Est-ce qu'un Gabonais peut faire ça à l'étranger? Tu as entendu que les Gabonais font ce que vous faites là? J'aimerais que tu m'expliques ça. Est-ce que tu as déjà entendu qu'un Gabonais à l'étranger a fait le bordel que ton copain Ali Bongo, qu'on vous a entreculé, que vous avez entendu qu'un Gabonais a fait ça à l'extérieur? Il faut que tu m'expliques ça. Quel est ce Gabonais qui a déjà fait ce qu'on fait au Gabon? Et en vertu de quoi les Gabonais vont vous subir ad vitam aeternam? Vous êtes qui? Toi, Moussa, Adamo, tu es qui? Tu as laissé quelle marque dans le journalisme? Moi, j'ai connu des vrais journalistes qui étaient à la chaîne 2. Mais toi, tu as laissé quoi? Tu as fait quoi? Un tonneau vide qu'on a fabriqué de toutes pièces? Il ne faut pas fatiguer les Gabonais. C'est quoi cette histoire? Vous pensez que les Gabonais vont vous suivre comme ça? Nous allons préparer. Ce que vous cherchez là, vous allez avoir ça. Si c'est la guerre civile que vous voulez, vous allez avoir ça. Et c'est vous qui allez en pâtir. C'est vous qui allez en pâtir. Donc vous êtes en train de réunir le conseil de guerre civile. Parce qu'aucun peuple ne peut accepter cette invasion et être brimé sur son propre sol. Jamais de la vie. Les Namibiens ont subi les Allemands. Les Namibiens ont subi les Allemands. Ils ont fini par agir, réagir. Et ils l'ont fait. Beaucoup d'Allemands sont morts. Beaucoup d'Allemands sont morts. Même si l'Allemagne refuse de reconnaître ses crimes contre l'humanité, ce n'est pas grave. Mais les Namibiens ont tué beaucoup d'Allemands qui sont venus les envahir. Ça s'est passé en Afrique du Sud. 30 millions de Noirs, 4 millions de Blancs. Et cette légion d'imbéciles a pensé que les Noirs étaient des sous-hommes. Ils ont tué les Noirs, mais les Noirs aussi en ont tué. Ils ont tué beaucoup de Blancs. Donc, si vous pensez que vous allez coloniser le Gabon à nouveau, vous allez perdre, vous avez tout intérêt à perdre. Vous avez tout à perdre plutôt. Donc, toi, tu es un Gabonais d'occasion. On n'oublie pas ça. Et quand tu es un Gabonais d'occasion, tu te tiens tranquille. Quand tu es un Gabonais d'occasion, tu te tiens tranquille. Tu ne fous pas ta tête, ton nez, ta bouche, tes lèvres qui ressemblent à ce que je ne peux même pas qualifier. Tu n'ouvres pas tes lèvres, tes mandibules dans le pomme des Gabonais, des vrais Gabonais. Tu es un Gabonais d'occasion. On n'oubliera jamais. Il y a des Gabonais d'occasion qui se comportent bien, qui n'ont pas de problème avec les Gabonais. Il y a des Aoussa qui sont arrivés, Aoyem, qui n'ont pas de problème avec les Gabonais, qui se sont intégrés. Mais toi, tu te prends pour qui? Alors que tu n'es qu'un pauvre petit imbécile, tu as échoué dans le journalisme, tu t'es essayé dans le métier, tu étais médiocre.
Et comme tu couchais avec Ali Bongo, vous êtes une bande de recto verso. Alors, tu es devenu ce que tu es devenu. Aux États-Unis, tu étais quoi? Aux États-Unis, tu étais quoi? On t'a envoyé ambassadeur. Mais comme tu es un idiot, tu es devenu là-bas le conseiller. Le conseiller de Sylvia Bongo. C'est toi qui accompagnais les enfants de Sylvia Bongo. Alors, tu es un idiot. Tu as vu une profession noble, un métier noble. Ambassadeur, diplomate. On fait de toi diplomate. Tu vas aux États-Unis. C'est pour aller jouer le conseiller de Sylvia Bongo. Tu es un idiot. Tu ne mérites pas cette fonction. Aujourd'hui, tu es devenu ministre de la Défense. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Et je te dis une chose. Si tu continues à faire ça, tu n'iras pas loin. Si tu continues à faire ce que tu veux faire là, tu n'iras pas loin. Parce que le feu qui veut de la mort de l'eau ne vit pas longtemps. Le feu qui veut de la mort de l'eau ne vit pas longtemps. Je suis choqué. Quel rigolo de ton espèce. Parce que vous couchez avec Ali, vous êtes des tordus, vous tous. Vous êtes pareils. Comme vous enculez. Vous pensez que le Gabon, vous allez enculer tous les Gabonais. Vous n'allez pas enculer tous les Gabonais. Vous n'allez pas enculer tous les Gabonais. Tu vas enculer Ali Bongo, tu ne vas pas enculer les Gabonais. Tu as compris? Et quand les Gabonais ont des problèmes, tu fermes tous tes trous. Ce n'est pas à toi d'interdire à un Gabonais, d'interdire aux Gabonais de rendre hommage à leurs compatriotes. Fabien Méré, il pourrait être ton professeur sur tous les plans. Parce que tu es un taré de Ciboulot. Fabien Méré pouvait être ton professeur. Toi, tu pouvais parler devant Fabien Méré. Toi, tu pouvais parler devant Fabien Méré. Tu n'as pas honte de poser un acte comme ça. Tu appelles Bara Swaga, tu dis fais ceci, fais cela. C'est toi qui as donné l'instruction sur ça, Bara Swaga. Il me l'a dit. Bara Swaga m'a dit que c'est toi qui as donné les instructions. C'est pourquoi je m'en prends à toi. Parce qu'on ne s'en prend pas à la flèche quand le tireur est présent. On ne s'en prend pas à la flèche quand le tireur est présent. C'est toi l'idiot qui as donné des instructions. Tu ne mérites aucun respect. Et comme tu es idiot, tu es fidèle à tes idioties et tu veux imbéciliser les Gabonais, mais à force de vouloir imbéciliser les Gabonais, toi tu deviendras imbécile. Et tu l'es déjà même. Mais je n'ai jamais vu ça. Dans nos traditions, un cortège funéraire, on ne l'arrête pas. Quand il part d'un point, il ne s'arrête qu'au point d'arrivée. On n'arrête pas un cortège funéraire. Toi, tu te permets en vertu de quoi? Tu te permets d'arrêter un cortège funéraire en vertu de quoi? Tu es qui? Tu n'es qu'un pauvre petit imbécile qu'on a fabriqué? Tu penses qu'à ta place, il n'y a pas un vrai Gabonais qui peut être ministre de la Défense? C'est parce qu'il y a un idiot comme Ali Bongo qui est devenu président accidentellement. Quand on se retrouve, on se retrouve avec des oripeaux de ton espèce. Tu es qui? Toi, tu es qui? Tu penses qu'à temps normal, du temps d'Omar Bongo, tu serais ministre? Du temps d'Omar Bongo, un imbécile de ton espèce, tu serais ministre? C'est une malédiction que tu t'as tirée. Tu es maudit à vie. Tu es maudit à vie. Et je te dis une chose. Ta fin sera brutale. Maître Méré est mort dans des conditions qui restent encore à élucider. Mais toi, son fantôme viendra te traquer. Tu mourras aussi d'un arrêt cardiaque. Tu verras. On est là, non? Je te parle. Tu mourras d'un arrêt cardiaque. Tu as la malédiction à vie. C'est ce que tu as fait. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas qui t'a éduqué. C'est que tu as raté ton instruction et ton éducation. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? On arrête tes cortèges funéraires. Vous immobilisez pendant, je ne sais pas où, une demi-heure. Tu es qui? Parce que tu es devenu ministre de la Défense? Tu penses que tu es devenu quoi? Le roi du Gabon? Tu penses que tu es devenu le roi du Gabon? Parce que tu encules Ali Bongo? Tu penses que tu encules tous les Gabonais? Ou bien Ali Bongo t'encule? Puisque c'est comme ça que vous faites. Tu penses que tu vas enculer tous les Gabonais? Tu ne vas pas enculer tous les Gabonais. Tu nous auras sur ton chemin.
Et je te dis, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de réunir le conseil de guerre civile. Elle arrivera. Mais c'est vous qui avez tout à perdre dans ce Gabon. Parce que c'est vous qui avez investi. Tu viens de payer un terrain de 100 millions à Vorbam. Avec quel argent tu as payé un terrain de 100 millions à Vorbam? Tu es payé à combien? Un ministre de la Défense est payé à combien? À peine nommé là, même pas un an. Tu as déjà payé un terrain de 100 millions à Vorbam récemment. Le propriétaire de ce terrain m'a appelé pour me dire ça. Tu as payé un terrain de 100 millions à Vorbam. Tu as eu l'argent là-haut. Tu as eu l'argent là-haut. L'argent qui t'a permis de payer le terrain. 100 millions, un terrain à Vorbam. Comme tu veux être proche de ton ami Ali Bongo, vous voulez être tous à Kanda, mais tu as payé le terrain avec quel argent? J'aimerais savoir, cet argent sort d'où? Il faut que tu me dises. Tu as payé le terrain à Vorbam, 100 millions de francs CFA. Les propriétaires m'ont donné le signal pour dire que c'est rigolo là. Ils ont me dit c'est pédé, c'est comme ça qu'ils ont dit. À payer un terrain 100 millions. C'est tout un domaine que tu as payé là-bas. Tu as eu l'argent. C'est l'argent du business, le coronavirus. Vous vous arrangez pour braquer les Gabonais. Vous arrêtez les gens la nuit qui circulent. Et pour les libérer, ils doivent payer 500 000 francs. Tu es un mafieux. Comme tes parents sont venus au Gabon pour chercher l'argent. Et tu es mafieux. Tu vas, tout ce, sache une chose. C'est que tout ce que tu vas faire comme investissement, sache que ça appartiendra au peuple, ça reviendra au peuple gabonais. Tu peux être sûr d'une chose. C'est que ça reviendra au peuple gabonais. Le terrain là, ça reviendra au peuple gabonais. Construire des immeubles, ça reviendra au peuple gabonais. Je te promets, on va vous faire ça dur. On va vous faire ça dur. Donc tes imbécilités, tes idioties, il faut faire la carrière qui ne te connaissent pas. Toi, moi, on se connaît. Tu sais ce que je sais aussi. Tu ne vaux rien. Professionnellement, tu ne vaux rien. En journalisme, je peux être ton professeur. Tu étais un idiot dans la profession. Tu n'as rien foutu. Alors, tu t'es essayé dans la politique. La politique, quelqu'un qui échoue ailleurs, mais la politique, ce n'est pas un dépotoir. C'est avec un résidu comme Ali Bongo qu'on se retrouve avec des rigolos de ton espèce. On ne va pas te pardonner ce que tu as fait aujourd'hui. Ce que tu as fait aujourd'hui, on ne va pas te pardonner. Et à ta famille. Et n'oubliez pas que quand vous posez ces actes, vous avez des enfants. Vous avez des petits-fils. C'est dangereux. Vous êtes en train de rendre mon service à vos descendants. Parce que celui qui va porter le nom Moussa Adamo demain, ce sera un nom difficile à porter. Donc, limitez les dégâts. Limitez les dégâts. Il faut limiter la gueule. Laissez tout ce que vous voulez. Laissez-nous le château. On est content, construisez. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes en train de chercher. Vous êtes en train de chercher à construire des immeubles. Mais vous, en même temps, vous cherchez à réunir le conseil de guerre civile. Mais quand il y a la guerre, c'est vous qui perdez. C'est pas le bas peuple. Le bas peuple n'a rien. Le bas peuple n'a rien. Et celui qui est par terre n'a pas peur de tomber. Celui qui est par terre n'a pas peur de tomber. Donc, moi je veux te dire ça. Vous, les Gabonais d'occasion, faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Parce que quand ça va péter, vous n'allez pas échapper. Si vous pensez que vous allez plonger le Gabon dans la guerre civile et que vous allez vous en tirer, vous trompez. Vous n'aurez pas le temps de fuir. Vous êtes en train de tout faire pour pousser les Gabonais à bout. Mais je n'ai jamais vu des idiots de vos espèces, de votre espèce. Vous n'êtes pas intelligent. Je ne sais pas si c'est le liquide coloré que vous pompez entre vous et vous, ça entraîne dans vos oreilles pour vous rendre sourd. Le peuple vous envoie des signaux. Il y a des clignotants rouges qui s'allument sur votre chemin, vous prévenant que même le bonheur le plus parfait peut connaître des altérations. Mais vous n'arrivez pas à comprendre. Vous pensez que les Gabonais sont vos esclaves, sont vos sujets. Nous n'allons pas vous subir. Nous n'allons pas vous subir. Vous êtes des psychopathes, une bande de malades. Vous ne méritez aucun respect. Et tant que vous n'allez pas respecter les Gabonais, je ne vais pas vous respecter. Tant que vous n'allez pas respecter les Gabonais, je ne vais pas vous respecter. Tant que vous allez être idiot, je vous traiterai comme tel.
Tant que vous serez idiot, je vous traiterai comme tel. C'est comme ça. Vous ne méritez aucun respect. Mais seulement, quand vous envahissez un peuple, ce n'est pas sans conséquence. Quand vous envahissez un peuple et vous voulez opprimer ce peuple, ce n'est pas sans conséquence. Celui qui crache en l'air doit s'attendre à recevoir des crachats sur le visage. Celui qui crache en l'air doit s'attendre à recevoir des crachats sur le visage. Donc, faites attention. Vous êtes une bande d'idiots, une bande d'imbéciles, une légion d'imbéciles, une bande de sauvages. Vous avez pris un pays en otage, un pays qui vous a tout donné. Voilà un rigolo comme toi. Aujourd'hui, tu fais les brouf, tu joues au schtroumpf, alors que tu n'es rien. Parce que à cause de la malnutrition, de la malbouffe, parce que tu es malotru, je te connais, tu es malotru, pourquoi tu es maintenant gros comme ça? Et tu penses que parce qu'on a fait de toi ministre de la Défense, que tu es supérieur aux autres. Tu es supérieur par rapport à qui? Tu es supérieur à qui? C'est une illusion que tu te fais. Et cela ne se surprend pas. Parce que le Marouya croit qu'il a grossi alors que c'est son ventre qui est ballonné. Le Marouya croit qu'il a grossi alors que c'est son ventre qui est ballonné. Donc, tu n'es pas supérieur à qui que ce soit. Ce sont des fonctions qu'on donne sur la base des critères subjectifs. Ce n'est pas objectif. Tu n'as pas fait un concours. Si tu as fait un concours, si toi tu es ministre de la Défense, c'est que moi je peux être président du Gabon. Si toi tu es ministre, le maboule journaliste que tu étais, le tocard journaliste qui était, si tu es devenu ministre, c'est que moi je peux être président. Donc, tes idiots, si tu arrêtes, je m'arrête là aujourd'hui. Je ne veux pas aller trop loin. Mais si tu continues à faire ce que tu fais là, je vais sortir des choses de toi. Tout ce que tu as fait comme scandale aux États-Unis, je vais les sortir. Et tu sais que je suis un journaliste d'investigation. Ce n'est pas les bricoles que toi tu as fait là. Les pattes de mouche que tu écrivais, les journaux, les éditions qu'on t'écrivait et tu allais lire seulement. Ce n'est pas ça. Moi j'ai fait tout. J'ai fait les trois formes de presse écrite. Et tu me connais. Donc tes idiots, si tu m'arrêtes ça, si j'apprends que tu as encore fait cet acte là, ce que je vais te faire, tu ne vas même plus sortir aller au travail. Je suis venu te prévenir. Les Gabonais, je ne laisserai pas n'importe quel idiot malmener mon peuple. Je ne laisserai aucun autre idiot malmener mon peuple. Donc tu te tiens tranquille. Tu es là, il faut bouffer ton gain. Tu as acheté un terrain avec un terrain à 100 millions de francs CFA à Bam. Tu nous expliqueras avec quel argent tu as acheté ce terrain. Viendra l'heure des règlements de comptes. Viendra l'heure de rendre des comptes d'abord, avant le règlement des comptes. On attendra quand le pouvoir là va tomber pour te demander des comptes. Parce que c'est quand la poule est attachée que le cafard lui fournit des explications. C'est quand la poule est attachée que le cafard lui fournit des explications. Donc tu te tiens à carreau. Les gens te connaissent. Celui qui sait ce que tu as mangé sait de quelle manière tu t'es rassasié. Tu étais un idiot dans la profession. Et ma boule, on écrivait tes éditions. Tu étais nul. Même les reportages, tu ne savais même pas faire. Même les fondamentaux du journalisme, tu ne connaissais rien. Alors, il fallait être proche d'Ali Bongo, fallait vous entriculer dans les chambres. C'est ça. C'était le propre des idiots qui avaient échoué. Ils devenaient les amis des grands, des enfants des grandes familles. C'est comme ça que toi, tu as progressé. Mais tu étais bête. Tu étais un idiot. Et tu es toujours idiot et tu mourras idiot. Et comme tu mourras idiot, je ne veux même pas présenter le condoléances à tes parents. De peur d'attraper tes idioties. De peur d'hériter de tes idioties. Donc tu fais attention au Gabonais. Fais attention. Le Gabonais appartient au Gabonais d'abord. Ce n'est pas au métèque de ton espèce. Ce n'est pas au déplacé économique. Tu es un déplacé économique. Ta famille, c'est une famille de déplacés économiques. Ok? Tu es issu d'une famille de déplacés économiques. Il faut respecter les vrais Gabonais qui sont là. Tu as entendu que les Gabonais vont n'importe où être des déplacés économiques? Tu as entendu ça? Tu as entendu ça? C'est parce que les idiots comme toi, vous avez pris possession du Gabon. Aujourd'hui, vous faites du bordel que les Gabonais quittent le pays. Mais en temps normal, les Gabonais n'avaient pas besoin d'aller à l'extérieur. Parce que leur pays a tout pour les rendre heureux. Maintenant, veux-tu de quoi? Des idiots de ton espèce peuvent se permettre de faire ce que vous avez fait là. Arrêtez le cortège de mêlée.
Tu es qui? Parce qu'on a fait que lorsque ton copain, Ali Bongo, s'il meurt, toi tu vas assurer la vacance pour toi, tu penses que c'est toi qui deviendras président du Gabon. Tu ne deviendras jamais président du Gabon. Tu ne deviendras jamais président du Gabon. Si toi tu le passes là, moi je prends le maquis, je forme une rébellion et je rentre pour te chasser. Tu es un pauvre type. Vous avez foutu le bordel, même les crimes rituels à Makoko, tu étais là-dedans. Je vais te dépouiller, hein, je te promets. Je vais te dépouiller. Et le message que je t'adresse là, il est valable pour les autres idiots, les autres Rastakouer, comme les Osseni, Ossa et autres. Tous les petits parvenus là, tous les petits déplacés économiques qui sont devenus aujourd'hui riches grâce aux manœuvres dolosives avec le pouvoir. Je vous adresse ce message-là. Il s'adresse à vous. Faites attention. Parce que le jour que ça va péter, vous n'allez pas fuir. Vous serez comme des rats dans les égouts. Je suis tout le dire. Je ne rigole pas. Et tu sais, tu me connais très bien. Je te dis tout simplement. Vous qui êtes là, quand tu sais que tu es déplacé économique, tu te tiens tranquille. Les choses des Gabonais doivent être réglées d'abord par les Gabonais. Vous êtes des Gabonais d'adoption, vous restez tranquille. Quand les Gabonais sont adoptés, ailleurs, ils ne font pas de bordel. Tu as entendu qu'en Belgique, ici, tel Gabonais a fait ceci, ou bien en France, là-bas, que les Gabonais ont fait ça. Les Gabonais sont tranquilles quand ils sont à l'étranger. Ils respectent les lois de leur pays d'accueil. Ils ne sont pas des délinquants, ils ne sont pas des brigands. Donc il faut arrêter. Et vous, là, les métèques, là, qui n'avez d'attache ni avec la patrie, ni avec les ancêtres. Vous faites ça, vous pensez que vous allez fuir. Quand vous avez un pays de secours, vous n'allez pas bouger. Quand ça va péter, on ferme tout et on règle les comptes. Et tout ce que vous êtes en train de faire, je te dis une chose aujourd'hui, et retiens ça. Même dans tes guéletons entre pervers qui vous enculez là, retiens une chose. Retiens ceci. Il y aura une bagarre générale. Il y aura une bagarre générale pour qu'on apprenne à se respecter dans ce pays. Parce que toi, tu prends les Gabonais pour ton caleçon, tout comme ces rigolos d'Ali Bongo, ou cette chienne de Sylvia Bongo. Vous prenez les Gabonais pour vos sous-vêtements, peut-être que vous ne l'avez pas. Et je vous promets, ça ne va pas continuer comme ça. Ça ne va pas continuer comme ça. On va récupérer notre pays. Le Gabon est sous occupation, on va le récupérer. Donc, limitez les dégâts. Parce que je ne connais pas ce peuple qui va être là. Vous. Le gifler la joue gauche, il va tendre la joue droite et vice-versa. Ça ne sera pas ça. Nous ne sommes pas Jésus. Hein. Jésus n'est pas né au Gabon. Nous ne sommes pas Jésus. Quand on va gifler sur la joue gauche, il tend la joue droite. Nous ne sommes pas Jésus. Jésus n'était pas Gabonais. On ne le connaît même pas. Donc ça là, ça va mal se terminer. Il faut que tu saches ça dès ce soir. Quand tu vas dormir, là, avant de monter sur ta femme, je ne sais pas si tu montes d'accord sur ta femme, puisque tu es recto verso. Je ne sais pas. Mais je te dis une chose. Il faut réfléchir ce soir à l'acte que tu as posé. Tu as interdit au cortège de Maître Méré d'aller au quartier de Jean-Pierre, là où il a passé toute sa vie, là où il a défendu, enfin, là où il a risqué sa vie plutôt. Parce que le 31 décembre, le 31 août 2016, il a failli mourir là. C'était symbolique qu'il fasse un dernier tour avant d'aller reposer en paix sur la terre de ses aïeux. Mais un idiot de ton espèce, comme tu crois que tu es devenu maintenant le gouverneur de Gabao, tu te permets de faire ça. Mais ça va mal finir. Et fais passer le message à tous les Rastakouer de ton acabit. Que quand ça va péter, vous allez en pâtir. On vous a accepté, on vous a donné ce genre de choses. Mais ne touchez pas à l'âme du Gabon. Ne blessez pas l'âme du Gabon. Parce que là, vous n'allez plus reconnaître ce pays. Qui vous a tout donné. Vous n'allez plus reconnaître ces pays. Vous venez faire ça, mais bientôt ça va prendre fin. Il y a des signes de fin de règne. Dès qu'on apprend que ces rigolos-là est fini, tu vas voir ce qui va se passer. Donc, vous là, qui faites ce désordre-là, il faut prendre la disposition parce que ça va mal se passer. Voilà. C'est bien d'aller envahir les gens, mais après ça se passe toujours mal, ça finit mal. Je vais d'ailleurs te raconter une histoire comme tu es un idiot, tu n'as rien appris chez toi. Je vais te raconter une histoire que m'avait raconté mon grand-père au village sur le clair de lune.
Mon cher déplacé économique de Moussa Danou, dans un village, il y avait des gens qui vivaient de manière prospère. Il y avait tout en abondance. Mais voilà qu'un jour, il y a eu une grande famine dans la brousse, dans la forêt. Les singes mouraient d'inanition. Ils n'avaient plus rien à manger. Il n'y avait plus de pluie. Et il n'y avait plus de fruits aussi dans leur habitat. C'est comme ça que l'un d'eux a dit, mais au lieu qu'on meure ici de faim, on va aller voir au village parce que les humains vivent là-bas. Ils ne meurent pas de faim. On va aller voir, peut-être que là-bas, on trouvera de quoi manger pour qu'on ne meure pas de faim. Et c'est comme ça que ils ont dit oui, c'est une bonne idée, mais commence, allez voir et tu viens nous rendre compte. C'est comme ça que les singes ont dépêché donc un messager. Le messager est arrivé au village. Il a vu les fruits en abondance. Il a vu des mangues mûres. Il a vu des avocats. Il a vu des atangatis. Il a vu tout. Il a vu la banane mûre. Et il a cueilli quelques fruits. Et il a amené à ses semblables pour leur dire, mais voilà, là-bas, chez les humains, on mange bien là-bas. On ne meurt pas de faim. Là-bas, il n'y a pas la famine. Il n'y a pas la disette. Et c'est comme ça que tous ont dit, ok, alors on déménage, on va aller là-bas. Aussitôt arrivé, ils n'ont même pas cherché à demander aux villageois la permission de cueillir les mangues, les papayes, tout ce qui est là. Ils se sont mis à tout cueillir comme ça, comme si c'était eux qui avaient planté. Et les villageois ont vu comme ça, ils ont dit, oh, ce sont les singes. Et le vieux d'Nzambi était là, il a dit, non, mais laissez-les, ils ont seulement, c'était ma faim. Ils ne viennent pas souvent manger ici. S'ils viennent manger, c'est qu'ils ont faim chez eux là-bas. Ils doivent la disette, laissez-les manger. Tant qu'ils ne s'en prennent pas à vous, ne faites rien. Et après, ils ont tout mangé. Quand ils ont fini de manger tous les fruits, ils ont commencé à entrer maintenant dans la cuisine pour arracher à manger aux gens. Et quand il y avait des petits enfants qui s'opposaient, les singes là les agressaient, les blessaient. Les villageois sont allés voir le chef des amis pour dire, ah, tu as toujours dit de laisser les singes là. Tu as maintenant ce qu'ils font. Ils ont blessé mon enfant. Et il y avait des plaintes. Et quand ils blessaient les enfants, ils transmettaient des maladies à ces enfants. Donc il y a maintenant une épidémie. Le roi d'Nzambi a dit, ah non, là, ça va trop loin. Et ils ont appelé tous les villageois pour une réunion de famille. Ils ont dit, les gens qui sont venus nous envahir là, on les a laissés tout le temps de faire marche. On leur a donné tout le temps de s'acclimater. Ils ont tout rasé. Il n'y a plus de mangue, il n'y a plus de banane mûre, il n'y a plus d'avocatier. Il n'y a plus rien pratiquement, plus d'avocat. Maintenant, ils s'en prennent maintenant à nos enfants. Ils donnent maintenant les maladies. Non, là, ça va trop loin. Et mission a été donnée à un chasseur très puissant qui s'appelait Mumbina. Ils ont dit à Mumbina, écoute, c'est toi le grand chasseur. Charge-toi de décimer tous ces singes-là. Parce qu'ils sont nuisibles. Et mieux, c'est que l'épidémie qu'ils ont amenée là, pour guérir ça, il faut le cerveau des singes. Et Mumbina, chasseur habile, meilleur chasseur de son époque, il s'est fait ses plaisirs. Il a battu tous les singes, l'un après l'autre. Et après, ils étaient tous là. Ça fait le festin des villageois. Vois-tu, mon cher Michael Moussa Adamo, quand on va envahir des gens, ce n'est pas sans conséquence. Surtout quand on devient nuisible. Oui,
Les Rastakouers, là, vous devenez nuisibles pour le Gabon. Vous devenez nuisibles. Vous mangez bien pendant que les Gabonais souffrent. Et quand ils boudent, vous allez les tuer dans les maisons. Ça ne va plus durer longtemps. Vous risquez de subir le sort des singes là, qui sont venus et qui étaient devenus maintenant nuisibles. Et ils ont fini dans la marmite. Ils ont fini dans la marmite. Alors, donc, quand on va chez des gens, il faut faire preuve de circonspection. Si on ne fait pas faire preuve de circonspection, on s'expose à des représailles. On s'expose à des représailles. Parce que le buisson dans lequel on cherche du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Donc, mon cher Michael Adamo ou Michael Adamo, je ne sais pas comment t'appelles ou quelque chose comme ça, moi je vais te dire ça. Fais attention parce que le Gabon là va devenir bientôt nos Gabonais. Et quand on va rentrer chanter à l'Omane Maneya, vous allez fuir. Il faut prendre la porte de la prison parce que vous ne pouvez pas être là pendant que nous est là et faire les brouffes que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire ça parce que les vrais enfants du Gabon ne sont pas là. C'est normal. Quand le chat sort, la souris fête son anniversaire. Quand le chat sort, la souris fête son anniversaire. Bientôt la fin de tout ça. Fais les brouffes. Mais attention à demain. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères. Et l'espoir vénère chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie. Fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits.